des lancers de deux bouteilles ou encore des voitures vandalisées. Depuis ce matin, les esprits s'échauffent devant l'école numéro 1 de Schaerbeek. En cause, des doutes face au verdict remis par le parquet de Bruxelles. Nous dire qu'elle a eu juste une infection, la petite gamine qui a 4 ans simplement, qui s'est fait violer dans l'école et qui a encore 200 enfants à l'intérieur qui ne sont pas encore en sécurité. On essaye de fermer cette histoire par l'État en disant que c'est pas un viol. Je ne suis pas d'accord. Si c'est un viol, c'est un viol. On réclame justice et puis ça c'est un de. Deuxièmement, on doit fermer cette école. C'est un sujet qui fâche, c'est un sujet qui fait mal. Et moi aujourd'hui, je suis là pour soutenir les parents et toutes les personnes ici présentes. Et voilà, j'espère que la justice va faire son travail. Ces inquiétudes font suite à l'affaire de suspicion d'abus sexuels sur une fillette de 4 ans. Pour le parquet, c'est une infection qui est à l'origine des saignements retrouvés dans les sous-vêtements de l'enfant. Une série de devoirs d'enquête ont été réalisés, notamment hier, et on peut en conclure qu'il n'y a pas de faits de mœurs ni d'autres faits de violence qui sont à la base donc de cette blessure qu'elle a pu avoir. Il s'agit en réalité d'une infection qui a pu causer des saignements. Et donc je peux rassurer, je dirais, pas mal le monde en vous disant qu'ici il n'y a pas d'infraction pénale. Du côté de la commune, on dénonce les contre-vérités. Je suis en place ici à la commune de Schaerbeek depuis 1989. Je n'ai jamais entendu une histoire de viol dans les écoles communales de Schaerbeek. Donc ce sont des mensonges de plus, disant qu'il y a déjà eu des viols dans les écoles, qu'on ne fait rien, qu'on étouffe toutes les affaires, qu'on est complice. Tout ça n'est pas sérieux. Le bourgmestre Bernard Clerfailly appelle au calme. Il a décidé de fermer l'école toute la semaine. Une réunion avec les parents d'élèves est prévue lundi prochain.